juste. Il est bon. Vous voyez? C'est pour ça en fait que nous sommes sauvés par la foi. Rien d'autre que la foi. En fait, la foi. Il ne nous demande pas de faire des choses pour gagner le ciel. Non. D'abord la foi. Et la foi en Yeshua te fera faire ce qu'il faut faire pour aller au ciel. La foi en Yeshua te fera le craindre. La foi en Yeshua te fera porter du fruit. Tu deviendras un arbre. T'as l'air de ça aussi tout à l'heure. Voyez? Donc, ta foi que tu as là, elle va grandir. Plus tu vas la nourrir dans la prière, plus tu vas la nourrir dans la parole du Seigneur, dans sa présence, l'adoration, l'intimité, tu vas devenir un arbre terrible. C'est pour ça que tout à l'heure la soeur disait, que personne te minimise. Tu vas porter des fruits terribles. Et lorsqu'un arbre porte du fruit, qu'est-ce qui se passe? Ça passe quoi? On veut en manger. Amen. Si tu as un jardin et que tu vois ton arbre que tu as là, il y a zéro fruit, tu vas faire quoi avec? Au début, tu vas mettre le fumier. Oh, faux. Luc 13 en parle. Le fumier là. Tu peux mettre le fumier, tout ça, pour que ça puisse grandir, tu vois. Tailler un peu, tu vas l'aider, grand faux. Mais si tu vois qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y a zéro fruit, tu vas faire quoi? Tu vas le remplacer parce qu'il occupe le jardin inutilement. Est-ce que vous comprenez quelque chose? En fait, c'est important ce qu'on dit là. C'est-à-dire que la foi dans le Seigneur, en fait, on doit porter du fruit, on doit grandir. On ne doit pas rester à l'état toujours, tu as besoin de toujours qu'on t'aide, tout ça. En fait, il faut grandir. Il y arrive un temps où les enfants du Seigneur doivent grandir en maturité. Grandir dans la fermeté. C'est ça, c'est le chrétien. La fermeté, être ferme. Alléluia. Savoir en qui tu as cru. Parce que beaucoup de chrétiens sont déstabilisés sur toutes les paroles qu'ils peuvent se dire. Où est ta fermeté, frères et sœurs? Comment les hommes peuvent te déstabiliser? Comment le monde peut te déstabiliser, te faire croire que Yeshua, c'est du plus beau besoin là? Il n'y a pas de paradis. Combien sont ébranlés mes frères et sœurs par rapport aux paroles de l'humanité? Où est ta fermeté? C'est ça aussi le chrétien. Fermeté par rapport à ce que tu as reçu du Seigneur, par rapport à la parole de Yeshua. Tu dois être ferme. Parce qu'il en dépend de notre salut. Voyez? C'est terrible. Voilà pourquoi l'arbre que tu es doit porter du fruit. Pourquoi? Parce que tu peux te couper si tu occupes la terre inutilement. Combien de chrétiens, de chrétiens que le Seigneur a voulu rattraper, a voulu aider, a voulu sauver, même le monde, les convertis. Combien? Beaucoup ont rejeté. Parce que le Seigneur est patient. Beaucoup le rejettent. Beaucoup se vautrent facilement dans le péché. Pourquoi? Ils n'ont pas saisi qui est le Seigneur. C'est pas un jeu, on a la fin. Nous y sommes. Et dans ce temps-là, on doit crier véritablement au Seigneur. On doit ouvrir totalement notre cœur au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Donc, le chrétien doit être ferme par rapport à ce qu'il a reçu, la parole du Seigneur. Voyez? Car si nous savons que si notre maison terrestre, une temple, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Elohim. Vous savez, notre espérance là, ça vient du Créateur. Mes amis, c'est pas un humain. Hein. C'est pas un humain qui a construit la maison ciel, hein, qui va prendre de l'eau après, qui va. Non, non, non. Tout ce qu'il a créé, c'est durable. Non, faux. C'est éternel. Alors pourquoi moi, là, le monde, là, on est passager. Faut pas croire, on vit dans ce monde.
Donc on doit vivre de manière aussi, voilà, équilibrée aussi, parce qu'on est du monde, on est encore dans le monde. Voyez? Donc il faut la sagesse. Voyez? Mais tout ce qui est dans ce monde, ben, c'est vanité. Tout n'est que vanité. Le temps défile vite, je vous assure. Il y a un rendez-vous terrible. Tous les humains seront à ce rendez-vous. Tous les humains. Qu'ils croient ou pas. Quelqu'un qui dit des fois, comme je ne crois pas, oh, je ne crois pas de toute façon. Que tu crois ou pas, mon ami, tu verras le Seigneur, soit pour rentrer au ciel, soit pour rendre des comptes. Non, je ne crois pas que ça existe. Que tu crois ou pas, le diable existe. Il tue le monde là, non? C'est terrible, hein? Qu'on croit ou pas, il existe. Le Seigneur existe. Le diable aussi existe. Qu'on y croit ou pas. Qu'on croit ou pas que l'enfer existe, le ciel aussi existe. Qu'on croit ou pas que l'Amérique existe ou pas. Vrai ou faux? Non, si tu n'as jamais été, ça existe ou pas? Hein? Ça existe? Vous voyez? Waouh! Notre espérance, je vous dis la vérité, sans Jésus, sans le Seigneur, oh là là, c'est le chaos. Hein? Déjà, je vous dis, c'est compliqué. C'est que le mal a atteint un niveau terrifiant. C'est sûr que si nous ouvrons les yeux là, on verrait des démons partout là. C'est terrible. Vous voyez pas même les gens politiques corrompus aussi là. Vous avez pas vu ça? Tous corrompus ici. Donc des corrompus nous dirigent. Comment voulez-vous que la terre aille bien? Comment voulez-vous que les pauvres mangent correctement? Comment voulez-vous que nos pays aillent correctement bien si tous sont corrompus? Pensez-vous, imaginez-vous, le Seigneur était mauvais, on serait chaos, mes amis, là. Vraiment faux. Mais comme il est bon, eh bien, il nous propose sa grâce. Il nous propose son salut. Le salut. C'est-à-dire que le salut, c'est quoi? Quand le Seigneur te donne son salut, sa sécurité, son espérance, la foi, il faut la garder. Il faut arrêter de brader à chaque fois ta vie éternelle avec le mal. Un jour, tu risques de le payer cher. Ce n'est pas un jeu, Yeshua, mes frères et sœurs. Voyez? Une maison éternelle qui n'est pas faite de la main de l'homme. C'est-à-dire que la maison, là, elle sera. En fait, nos demeures au ciel, là, on ne peut pas le laisser en même temps, là, il faudra parler de ça, on sait ce qu'on dit. C'est-à-dire que nos demeures au ciel, en fait, on doit rester fixé, non par rapport aux récompenses qu'on doit avoir, mais d'abord le Seigneur, voyez. D'abord, celui qui a créé la terre et le ciel. C'est lui qui nous maintient. Notre espérance, elle est en lui, là, c'est lui. Mes amis. En qui tu as cru? Comme disait alors le frère aussi. Est-ce que tu es chrétien par rapport à quelqu'un d'autre? Ou tu es chrétien, ou même disciple, je dirais mieux. D'ici, parce que ça. Yeshua n'a pas dit chrétien, il a dit disciple. Bon, faux. Disciple. Donc tu es disciple de Yeshua, pourquoi? Par rapport à quelqu'un? Par rapport à un homme? Par rapport à une femme? Par rapport à je ne sais pas qui? Ou tu es disciple parce qu'il a parlé à ton cœur? Alléluia. Qui a parlé à ton cœur? Un homme ou Yeshua? Qui l'a parlé, toi? Yeshua. Alléluia. Yeshua. C'est pas des blagues, hein? C'est vrai que quand Yeshua a parlé à ton cœur, celui qui a créé la maison, là, nos maisons au ciel, là, quand il a parlé à ton cœur, c'est terrible, hein? C'est-à-dire que, c'est en fait, ta vie, là, c'est lui qui l'a sauvé ses mains. C'est lui qui te fait aller de gloire en gloire. C'est lui qui te fait monter. C'est Yeshua. Amen. On doit expérimenter Yeshua dans nos cœurs, dans nos vies, de tous les jours. Il ne faut pas qu'on te parle de lui. Il faut que tu vives aussi le lui là qu'on te parle. Tu dois le vivre. Le Yeshua qu'on lit dans la Bible, l'as-tu expérimenté? Moi, je ne veux pas rester seulement à lire. Je veux aussi savoir qui il est dans ma vie personnelle.
C'est ça qui fait qu'un chrétien, un disciple, marche loin du mal. Un chrétien ne se vautre pas dans le mal. Non. Il s'attache à son maître. Il s'attache dans sa présence. Voyez? Et c'est ça qui fera que nous traverserons cette génération malade. On est dans un monde de malades, mes amis. Malade. Je partageais sur mon réseau de Facebook là. Un monde TikToké. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps là, par rapport à l'entreprise. Mais ils sont TikTokés. Je sais pas si vous savez c'est quoi ça. J'ai cherché les tics là, c'est quoi la définition? Des tics c'est compliqué, les tics, tu vois. Des tocs là, c'est chaud. En fait, ils ont des tocs là-dessus là. Ils sont malades. Ils sont toqués. TikToké. Oh là. Je vous dis. Qui connaît ça? Qui connaît TikTok ici là? J'ai découvert ça pendant longtemps. C'est-à-dire que quand tu es en Yeshua, tu vis là. Demain, tu vois ta vie, tu calcules même, tu sais même pas ce qui se passe dans le monde. En fait, tu calcules plus les choses. Je vous dis. J'ai découvert ça pendant longtemps pour mon entreprise. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a commandé chez nous. Je lui ai dit, va voir là-bas ce qui se passe. Par rapport à ce qu'elle a mangé. Elle a dit, tiens, j'irai regarder avec les enfants. J'ai dit, non, va pas là-bas avec les enfants. C'est pas pour les enfants, c'est compliqué là-bas. Mes amis, c'est chaud. Les gens font du cinéma. Ils sont malades. Tu vois des gens, moi j'ai vu quelqu'un qui monte sur un toit. Vous connaissez ça, vous connaissez où? Non, vous connaissez, arrêtez. Qui a vu ça? Levez la main. Hein? Ils montent sur les murs, tout ça, et ça discute comme si. En bas, il y a le vide. Qui a vu ça? Levez la main. Oui. Vous en voyez? Hein? Ah, elle a dit qu'il vient aussi. Hein, les collègues? Faut faire attention! Si on ne fait pas attention, tu deviens TikToké aussi. Les gens jouent avec leur vie. Pourquoi? Des vues, être connu, gagner de l'argent. Mais ils sont malades. TikToké, par où? Il n'y a pas d'argent. En fait, ils sont approchés au mieux, normal. Ils discutent. Oh, ça va? Bon, moi je tiens. Et en bas, il y a le vide. L'enfer en bas. Et les gens jouent. Non, mes amis, moi ça, c'est terrible. Pourquoi? Ils n'ont pas l'expérience, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après. Les gens jouent avec leur vie. Vous voyez? Au verset 2. Car nous gémissons aussi dans cette tente qui gémit ici. On gémit tous, hein? Oui, nous tous. Celui qui dit qu'il gémit pas, t'es ami du monde. Celui qui dit non, tout va bien, cool. Non. Alors, Guy Souroche, c'est compliqué ici. Je vous dis, on est tous les jours tentés. Vrai ou faux? Tous les jours, on peut. C'est compliqué. Hein? Si t'es pas ferme là, je vous dis, tu peux te détourner de la Bible. Te détourner du ciel. Tu vois. Mais grâce à l'Esprit Saint du Seigneur en nous, il nous interpelle. Tu vois, en fait, si on prend un mauvais chemin, son esprit vient et il nous interpelle. Il met en toi quelque chose, tu vois, et tu te détournes. Parce que tu veux l'adorer. Moi, je vais adorer le Seigneur. Qui va adorer le Seigneur aussi? D'ailleurs, quand tu as l'ordre de le frère, c'est un temps là, toi, ma soeur, c'est un temps de marcher avec des bonnes soeurs. Tu vois? Des bonnes soeurs. Pas des bonnes soeurs. pas des bonnes soeurs que vous connaissez. Hein.
Ça, c'est encore un. Voilà. Voilà. Des sœurs vertueuses. Des sœurs qui ne parlent pas de choses bizarres, mais qui parlent du. Qui? Seigneur. Ah oui. Ma sœur. Ça va? J'ai jamais vu, non? Attends, tiens. Ah ouais. C'est lui qui est qui avec tout ça. C'est lui qui est qui. Mes amis, voyez, je disais quoi là? Qu'est-ce que je disais? Voilà. Marcher avec des bonnes sœurs. Voyez. En fait, marcher avec les bonnes sœurs, des bons frères aussi, eh bien, ça t'aide à grandir. C'est vrai. Ça t'aide à évoluer. Ils peuvent te conseiller, parce qu'en fait, on a besoin de la communion. Tout à l'heure, je disais ça tout à l'heure. C'est important. Tu vois. Et le Seigneur te fera marcher avec les gens qu'il faut. Pas avec des gens qui vont te faire aller derrière. Te ralentir par rapport à la marche. Te ralentir par rapport à la pensée du Seigneur. Par rapport à la vie du Seigneur. Il y a des gens, leur mission, c'est de te faire aller derrière. C'est vrai, hein? Qui faisait ça? Il y a des choses que le Seigneur va te dire. Le Seigneur va te dire, tu sais, mon ami, il faut couper. Tu dois te. En fait, c'est vérité. Hein? C'est un temps où. C'est un temps de vérité. C'est un temps où il ne faut pas être dans les sentiments. Tu vois? Même avec les gens de ta famille aussi, qui peuvent être des personnes qui peuvent te. Faire tomber dans la compromission, dans les sentiments. Pas de compromission. La fermeté. Je veux dire, quand tu es ferme là, t'attends pas pour t'apprendre. T'attends pas ce qu'on va t'applaudir. Qui est encore à l'école ici? À l'école encore? Non, l'école physique. Enfin, l'école. Qui est encore à l'école même? Vous voyez? Même à l'école, tout ça. C'est-à-dire que. On va vouloir t'emmener dans des chemins, des travers, tout ça. Mon frère, ma soeur, pense à la maison qui t'a pas là-haut là. Pense à ce royaume. Parce que personne ne pourra te sauver. Le but de l'ennemi, c'est de retirer en nous notre espérance. De retirer en nous la foi. Regarde tout ce que le Seigneur fait dans ta vie. Il t'a délivré. Il m'a délivré, nous a guéri, nous a parlé. Comment on peut le blesser comme ça, frère? Comment on peut faire mal au cœur du Seigneur, mes frères et sœurs? Honnêtement, lorsqu'on rencontre le Seigneur, il te délivre. Ce n'est pas un Yeshua qui est mort enfin sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix pour qu'on puisse encore être dans le mal. Non! Quand il y a des chrétiens, ils disent, oh Panati, oh je suis encore tombé dans la masturbation, oh encore j'ai menti, oh il y a un problème. Honnêtement, il y a un problème. Soit tu es livré, soit tu es le blé, mais tu as des faiblesses, mais tu fais n'importe quoi à chaque fois. Tu marches avec de mauvaises personnes, tu fais n'importe quoi, et tu retombes, mais le Seigneur te dit là, il faut prendre une décision. Tu dois prendre une décision pour ton salut, pour ton éternité. Je dois aussi. Je vais même battre tout le monde. Tous les jours, prendre la décision d'être enraciné, de chercher à être enraciné dans le Seigneur. Qui a vu que la fin est devant nos yeux là? Qui aurait dit aujourd'hui qu'on aurait été confiné, toute la terre aurait été confinée? Mes amis, en fait, le Seigneur nous parle. Hein? Le Seigneur nous parle. Hein? Mais c'est lui qui contrôle. Vous croyez qu'il est perdu par l'homme, il est dépassé par l'homme? Non. Il n'est pas dépassé par l'homme. Hein. Qui pense qu'il est dépassé par l'homme? Oh, mais personne, c'est bien. Il n'est pas surpris par ce que les hommes font aujourd'hui. Il connaît toutes choses. Là, on parle de celui qui a ouvert la mer rouge. On parle de celui qui a créé les animaux. Hein. On ne parle pas de religion, on parle de l'architecte. Voyez, il nous a vacciné. Là, on est vacciné. On est vacciné. Vacciné contre le péché. Voilà. Ah, c'est un bon vaccin. Est-ce que tu es vacciné, toi?
Est-ce que notre vaccin? Chacun connaît sa réponse. Chacun connaît sa réponse. C'est le vaccin qu'on va avoir là. Le vaccin contre le péché. Voyez? On est vacciné. Et c'est un vaccin qui protège aussi de la maladie. Oh, faux. Qui a eu peur de corona? Levez la main. Non, on peut lever la main et rassurez-vous. On ne va pas se moquer. On est humain. Non? Alléluia. On est une église, c'est normal. Dans la foi. Voyez? Mais être prudent quand même, attention. Voyez? Il faut quand même être prudent. Faut pas faire n'importe quoi. Faut être prudent. Voyez? Parce que beaucoup, ils vont vouloir sauter ici. Oh, la parole dit que les anges vont nous apporter ce. Non. Je sais que la parole, les choses peuvent me sauver. Mais je n'ai pas monté là-bas pour sauter. Mais non. Je risque de m'écrouler là-bas. Là. On ne doit pas jouer avec le Seigneur. Faut être prudent quand même. C'est important. Mais ne pas trembler comme la terre. Car si la terre tremble, nous on tremble, qui va sauver qui ici? Est-ce qu'on comprend quelque chose? Tu vas prêcher le ciel là, ils vont dire, mais arrête, tu te dis, tu pleurais. Hier je t'ai dit, tu pleurais comme nous. Tu penses qu'ils seront touchés? Non. Voilà pourquoi nous, les disciples, on doit être différents de ce monde. Il devrait y avoir cette différence. Voyez, en parole, en action, en vie, en pensée. Alléluia. Vous fatiguez, on aurait dit non. Qui est fatigué de quoi? Fatigué de quoi? Physiquement ou fatigué de tout? Non. Physiquement. Voyez. Alléluia. La foi, je crois que le Seigneur est en train de réveiller son peuple dans les nations. Le Seigneur lève une armée sainte, une armée inébranlable, une armée qui lève véritablement, pas une armée hypocrite. Quand il y a des problèmes, oh Seigneur, 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 quand la tempête passe, ils retournent dans leur travers. Ce n'est pas une armée sainte ça. Ce n'est pas ceux-là qui font partie de l'armée sainte. L'armée sainte du Seigneur, qu'ils fassent bon, qu'ils fassent mauvais, ils sont amoureux du Seigneur. Ils ne baissent pas les bras devant les hommes, devant la terre, devant le péché. Ils se battent pour plaire à Yeshua. Alléluia. Mes amis, faut prier. Hein. C'est un temps là, il faut prier, je vous dis. Il faut prier, mais prier en étant dans la sainteté. Pas les prières de fin d'année. Hein. Prières de fin d'année parce que c'est décembre. Là, c'est une prière hypocrite, tout ça là. Si les gens ne vont pas mourir, oh Seigneur. Et après, dès que janvier arrive, là, vous allez voir. Ils repartent dans leur bêtise. Ils repartent dans leur travers. Ils repartent dans ce qu'ils ont vomi. Pas des chrétiens véritables, ça. Nous sommes des chrétiens de vie. Un chrétien, un disciple, c'est une vie. C'est pas pendant 2 ans, 3 ans, 2 mois. C'est jusqu'à la mort. C'est pas tu vas dans le monde un petit peu. Non, tu restes dans la barque jusqu'à la mort, je vous dis. Et c'est ça aussi que le Seigneur aime. Quand le Seigneur voit qu'une femme, un homme, cherche à lui obéir en tout temps, en toute chose, mais il prend plaisir en toi. Comme Job, il prend plaisir en toi. Une fois, j'ai dit les jobettes dans un message. Il y a des jobettes. Hein. Elles tiennent ferme, elles pleurent, mais elles ne pêchent pas volontairement. Elle pleure, mais elle n'abandonne pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Car nous gémissons, verset 2, aussi dans cet temps, on gémit. Malgré nous, des fois, on va évangéliser, tout ça, c'est chaud. Hein, les gens disent, c'est compliqué. Mais nous, on sème seulement la lettre. On dépose la lettre simplement.
la graine ou la graine. Il y a des moqueries. Si tu ne sais pas en qui tu as cru, tu vas abandonner. Est-ce que tu parles du Seigneur dans le secret sans que personne te voie? Lève la main. Qui n'arrive pas à parler du Seigneur dans le secret? Qui parle plus du Seigneur depuis longtemps ici? Lève la main. N'ayez pas honte. On va prier. Bon. Levez la main. T'arrives à parler du Seigneur. Depuis tout est fermé là, t'arrives plus à. Voilà, tu t'es rendu compte en vérité que c'est compliqué. Levez la main. Voyez. En fait, c'est la rencontre qui nous fout. C'est la rencontre. Ne pas faire les choses de manière mécanique, mais c'est la rencontre avec le Maître qui fera que tu poseras des actes selon sa volonté. C'est ta rencontre. C'est pas à cause de quelqu'un, c'est ta rencontre personnelle qui te fera aller là où le Seigneur veut t'envoyer, veut t'emmener. Tel son instrument entre ses mains. Mes amis, écoutez bien, c'est terrible. Voyez. Nous gémissons dans cette tente. Parce que on n'est pas chez nous. On est mal à l'aise. Lorsqu'on travaille, les gens parlent de n'importe quoi. Tu es mal à l'aise. Ça ne te plaît pas. Tu fuis. On veut te faire boire le mensonge, boire le péché, mais ça ne te plaît pas, tu fuis, tu gémis. Parce que tu veux aimer le Maître, parce que tu veux aller au ciel. Alléluia. Tu ne veux pas perdre la grâce et la promesse du Seigneur dans ta vie. Tu te bats, tu es ferme. Alléluia, la fermeté. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit qu'il est aussi passé par là. Il a gémi aussi. Et nous aussi, on va aussi gémir. On va aussi pleurer. Parce que tu seras abandonné. Tu seras rejeté. Tu vas pleurer. Mais tu ne dois pas abandonner Yeshua de Nazareth. Alléluia. Mes amis, Yeshua de toi. Malgré tes souffrances, malgré les pleurs que tu as, ne lâche pas la main du bon roi. Parce qu'il est phénoménal, il est glorieux, il est admirable. Moi je l'aime. Hein? Moi je ne vais pas l'abandonner pour personne. Je ne lâcherai sa main pour personne. Parce qu'il a bouleversé mon cœur. Il a bouleversé mes pensées. Il a bouleversé tes pensées, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'homme de Galilée, le Tout-Puissant, il est assis sur son trône et il dit qu'il revient. Alléluia. Il revient. Tu gémis, mais tu seras récompensé. Alléluia. Tu pleures, mais tu seras récompensé. Alléluia. Tu vis dans la douleur, mais il te dit: tu seras récompensé, alléluia, de la vie éternelle. Tu seras couronné de sa gloire. Mes amis, Yeshua, pas un jeu, il est vivant. On ne prie pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Et je crois que ce soir, tu repartiras en feu. Tu repartiras boosté, alléluia. Parce qu'on a tous besoin d'être boostés, parce qu'on est humain. Voilà pourquoi on a besoin des uns des autres. On a besoin des grâces des uns des autres. Et c'est dans l'unité qu'on ira loin. Église, Ecclésia, peuple de Yeshua. Alléluia. Désirant avec ardeur de revêtir notre demeure. On veut notre demeure. Je veux cette paix. Vous voyez la paix là? Je veux cette paix. Je suis aussi fatigué. On est fatigué du péché. Fatigué du monde. Fatigué de tout qui se passe. On est fatigué. Voilà pourquoi l'Église crie au Seigneur: reviens, papa.
L'armée du diable est lâchée. Son armée est lâchée pour détruire le peuple de Yeshua. Voilà pourquoi lorsqu'on est debout dans la prière, il se passe des choses dans l'esprit. Je vous dis, hein. Pour ça, si tu y es deux ou trois réunis, là où il y a deux ou trois réunis, mes amis, c'est fort, hein. Je peux ouvrir une parenthèse. Nous, l'équipe EVDN, là, entre parenthèses, pas pour parler de nous, mais pour vous témoigner un peu de ce que le Seigneur a dit, de ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Vous allez être choqués. Et je crois que c'est propre à tous les enfants du Seigneur de faire cela. Ça fait deux ans. Deux ans du lundi au vendredi, prière. Au téléphone. Est-ce que vous entendez? Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, prière. Ça fait deux ans. Deux ans de prière. Non-stop. Est-ce que vous comprenez? Prière. C'est-à-dire que la vie de prière nous maintient dans la vérité. La vie de prière, eh bien, on voit le Seigneur à l'œuvre. Vous voyez? Un peuple qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, tu ne verras pas de miracle. Non. Tu ne prends pas des choses, le Seigneur se manifester. Parce qu'il faut aussi ben, que nous prions aussi. Il faut bien comprendre ce que je dis. On va dire qu'on faut prier pour. Voilà. Mais c'est la vie du chrétien, la prière. Et le Seigneur, on le voit agir. On le voit opérer. Pourquoi? Parce qu'il veut la prière. Le Seigneur veut la prière. Une vie de prière. Donc là, il y a deux ou trois réunis en son nom. Il faut prier. Et dans la prière, Yeshua communique des choses claires, des visions claires. Je vous dis, oui, il parle le Seigneur. Mais il faut la prière, il faut l'intimité, il faut la vérité. C'est pour cela que là où il n'y a pas la vérité, là où tu es en communion, tu dois quitter. Ah ben oui, pas de pitié, pas de sentiment. Chrétien, ne pas dire pitié, il faut être dans la pitié, bon, et, tu sais, je comprends. Et, non. Tu avertis, si c'est compliqué, tu peux te complaire. Non. Parce que le chemin, on est presque arrivé au ciel. Hein. Le chemin est presque, on est presque au bout. Donc c'est pas aujourd'hui, toi qui t'accroches depuis 10 ans, 5 ans, 7 ans, c'est pas aujourd'hui qu'il faut que tu abandonnes. Pour les beaux yeux de quelqu'un, les beaux yeux de je sais pas qui. Non. Pas de pitié. Alléluia, vous avez compris. On ne joue pas avec la parole. Amen. Pas de sentiment. C'est Yeshua qui passe en premier en toute chose. C'est-à-dire que le fait d'avoir que le Seigneur nous dise de prier comme ça, en fait, c'est une vision aussi en même temps. Et ça nous maintient. En fait, c'est important d'avoir une vision. C'est important d'avoir des objectifs, des choses que le Seigneur te demande de mettre en place. Et ça te maintient, ça te. Je vous dis, ça, c'est une vie. Je vous dis la vérité. Et ça nous motive mutuellement à prier parce que, ben, si tu es seul, tu vas prier. Tu vas prier quand? Je vous dis la vérité, fais l'expérience. Enfin, ne fais pas l'expérience parce que ça peut être dangereux. Faites équilibré, c'est ce qu'on va dire, le frère l'a dit. À cause de lui, je suis tombé. On ne fait pas l'expérience. D'abord. Alléluia. Donc, il faut toujours la communion. Il ne faut pas faire l'expérience. Alléluia, vous avez compris. Hein? Mais, ça peut arriver qu'il y a des chrétiens qui sont parfois seuls. Bon, ça arrive. Ça arrive. Pourquoi qu'ils disent que quand j'ai dit, il faut faire ça. Ça peut arriver. Voyez. Tu sens que c'est compliqué, toi. Et le fait d'avoir la communion, ça, en fait, ça nous allume mutuellement. Vous voyez? Ça nous allume, nous maintient, et on reste debout, on reste en feu. Bon, faux. C'est pour cela, prie le Seigneur, que tu puisses avoir la communion avec des gens qui l'approuvent, en fait, en vérité. Tu vois? C'est important. Chacun doit demander au Seigneur, avec qui je peux prier, Seigneur? Parce que j'en ai besoin. Et ça se fera, en fait, grâce à l'Esprit, naturellement.
Je vous dis. Je suis encore là. Ben, c'est parce qu'il y a mes frères qui m'encouragent. Qui m'encouragent, tout ça. Mes amis, c'est terrible. Tu dis non, non, il ne faut pas que je tombe. Sinon, il va dire quoi de moi, le frère? Il va dire quoi de moi, tout ça. En fait, tu dis non, 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 il faut tenir. Parce que parfois, dans les coups de mou, hein, c'est... Mais tu te redresses. Tu dis non, 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 non. Je ne dois pas abandonner. Vous imaginez au ciel les noces de l'agneau? C'est pas une fête de Noël, hein? Cette fête hypocrite qui arrive là-bas après quelques jours là. Et voilà, les gens, ils seront libérés deux semaines. Ah, Noël! Et après, boulot, c'est reparti. Bonne année, quelle année. J'espère qu'on va crier bonne année, les gens. J'espère. J'espère qu'ils ne vont pas crier bonne année, hein? Oh! S'ils crient bonne année, nous, on va les crier dehors. Bonne année maintenant. Parce que ça, c'est quelque chose que. Frère, c'est terrible. Vous crier bonne année le 31, vous allez voir. Deux semaines après, on va faire des carreaux encore. Nous, on va l'évangéliser. Où est la bonne année ici, là? Il faut qu'on arrête tout cela. Tout ça, même moi, par SMS, qu'elle a. C'est tous les jours, tiens ferme. C'est tous les jours un jour nouveau dans le Seigneur. Tiens ferme. Tu ne vas jamais envoyer des messages en multiple. Bonne année, bonne année, jamais de la vie, je sais. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Pff. Je suis pas dans ça. Chacun fait ce qu'il veut, là. Ce qu'on va dire, il a dit, on va faire ça. Chacun fait comme il veut, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Tu peux dire à ta famille, maman, bonne année, tu vois. Parce qu'ils ne sont pas convertis peut-être, tu vois, il faut être équilibré. Tu vois, voilà. On ne s'en va pas dire, il a dit, il ne faut pas faire ça. On se connaît. Vous voyez? Notre espérance, elle est au ciel. Quand on voit Paul dans la Bible, quand on voit les apôtres, si on est là aujourd'hui, parce qu'on a vu Paul, hein, vous croyez que si on n'avait pas vu Paul souffrir comme il a souffert, tu penses que nous on serait là? Parce qu'on a des modèles derrière nous. Il y a Yeshua lui-même. Et on voit les Isaïe, on voit les prophètes, on voit tous ces hommes qui ont vécu des temps, ils ont été sciés, c'est chaud, hein? Sciés! Oh! Mais comme ils sont passés par là, nous aussi, c'est compliqué, on va passer par là. Il faut tenir. Mes amis, ils ont souffert, nos frères et sœurs, ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont été brûlés, jetés dans des arènes là. Arènes, vous connaissez ça? Les arènes, les lions, les autres. Mes amis, en fait, le nom du Seigneur, ça secoue. Tout ce qui se passe dans le monde là, vous croyez c'est qui est visé? C'est nous. C'est d'abord nous. Quoi en faut? C'est pour cela qu'on ne doit pas se conformer par rapport à la pensée de ce monde, mais selon la pensée du Seigneur. Penser comme le Seigneur pense. Vous voyez? Verset 3. Puisqu'ayant été vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Voilà, au son de la trompette, car retentir. Le Seigneur va prendre tous ceux qui sont habillés. Ceux qui sont dans le nu, qui sont pas habillés, c'est une manière, c'est spirituel, hein, comprendre. C'est spirituel. Donc, tu vas être habillé de la gloire du Seigneur, habillé du vêtement blanc que le Seigneur nous a donné. Et tous les jours, je veux nous dire que le Seigneur, il est miséricordieux. Il pardonne nos péchés. Si tu as péché hier, relève-toi. Tu vois? Relève-toi, relevons-nous. Vous voyez? Verset 4. Car aussi, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés, parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Or, celui qui nous a formés pour cela même, c'est l'Élohim qui nous a donné le gage de l'esprit. Étant donc toujours plein de confiance et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 7, 8. Vous voyez?
car nous marchons par la foi et non par la vue. Or le monde, c'est le contraire. Ils marchent par quoi eux? La vue. Et même s'ils voient, ils ne vont pas croire. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire, comme je ne crois pas, ben je ne crois pas. Il y a une phrase que tu m'as donnée là, qui est terrible, par rapport au corona. Les gens, lorsqu'on prend toutes les précautions, laver les mains, tout ça, avec le masque, c'est pour faire quoi? Hein? Protéger qui? Nous-mêmes. Contre un corona. Bon, faux. Bon, faux. Est-ce qu'on a vu corona de nos yeux? Non. Il est invisible. On ne le voit pas. C'est pas où est-ce qu'il est. Mais les gens y croient. Mes amis, c'est une phrase terrible que je libère dans les relations. Ça. Ça fait réfléchir. Et quand on dit que le Seigneur existe, oh non, il est, on l'a jamais vu. Ben si, on regarde les œuvres, la création. Corona existe, qui tue, il détruit. Mais le Seigneur, il est vivant. Donc en fait, l'homme hypocrite, il sait que le Seigneur existe. Il se ment soi-même. C'est pour vivre dans le péché, faire ce qu'ils veulent. Parce que l'homme est rebelle. L'homme est un être rebelle. On le voit. Dès qu'un problème, tout ça, sort dans les rues, casse tout. Ils sont rebelles. Est-ce que lui-même obéit ici? Il n'aime pas obéir. Non. Donc, ils sont rebelles à la justice divine. Vous voyez? Et obéissant, ben. C'est terrible ça. Obéissant au péché. Vous voyez? Verset 9. C'est pourquoi que nous demeurions auprès de lui, ou que nous soyons loin de lui, nous nous efforçons sérieusement de lui être agréable. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach, afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées, étant dans son corps. C'est-à-dire, étant dans son corps. C'est-à-dire que. On a une âme. Ah oui. On a une âme. Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les humains et nous sommes manifestés à Elohim, mais j'espère que nous sommes aussi manifestés dans vos consciences. Verset 12. Car nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes à vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous l'ayez auprès de ceux qui se glorifient de l'apparence et non du cœur. Car si nous étions hors de sens, c'est pour Elohim. Si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Mashiach nous comprime, estimant, si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Il est mort pour tous. C'est magnifique. Il est mort pour tous. Il est mort pour tous, le Seigneur. C'est une belle grâce quand même. C'est que le Seigneur nous offre le paradis, le salut, par rapport à sa crucifixion, par rapport à sa mort sur la croix. On croit en lui, on est sauvé. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Mais ça paraît trop facile pour le monde. Quand ils sont au monde, oh, je dis ça, le truc là. Non, il ne faut pas. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est pas ça qui va te sauver. Vous voyez? Les gens souffrent. Les hommes religieux là, ils souffrent. Parce que dans la religion, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas le salut. Ils vont dire oui, il n'y a pas le salut. Seul Yeshua donne le salut. Et c'est lui qui la donne. C'est lui, c'est pas toi qui vas faire des efforts pour. C'est lui qui te la donne. Et il faut la conserver. C'est simple en vérité, en grand faux. Hein? On finit à bientôt. Verset 17. Si donc quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ta vie passée est passée. Elle est ancienne. Ma vie passée, elle est ancienne. Je vous dis, hein, je suis sûr ici, il y a des choses que tu as même oublié du passé. Oh, faux. Oh, faux. Il y a des choses que j'ai oubliées, moi. Je vous dis, c'est comme un reset, là. Vous voyez, qu'on fait. Tu recommences à zéro, là. T'es réinitialisé. Oh, faux. En fait, il nous purifie. Il purifie nos pensées. Parce que le passé, là, il est compliqué, notre passé. Bon, faux. Ah, il est compliqué, hein. Donc, pour pas qu'on soit dans les choses bizarres, il purifie tout ça là. J'ai oublié. Parce que toutes choses sont passées. Tu vois? Donc, faisons-le confiance. Ton passé là, c'est le passé. Si on te dit ton passé, dis-lui non, 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 non. La Bible dit ça. Parce que le diable, il condamne beaucoup de gens par rapport à leur passé. Beaucoup ont du mal à avancer dans la foi parce qu'ils pensent à leur passé. Il dit quoi le Seigneur? T'as la foi, mais c'est le passé. Tu es nouveau. Même si on te dit, oh, mais hier, t'as fait ça, hier, toi aussi. C'est le passé des ignorants. C'est des fois de mon travail, là. Quand je parle avec mes collègues. Oh, mais ouais, t'as bien profité avant, là, tu nous dis, c'est pas bon maintenant, hein, hein. Mais c'était le. Je vous dis. C'est terrible. Je vous dis. Il me dit, oh, t'as bien profité, maintenant, tu nous dis, nous, faut pas faire. Et toi, t'as pas fait, j'ai fait, mais c'était. C'était des choses passées, ils ne comprennent pas ça. Tu vois? Et si tu es sur leur parole, tu peux dire, ah ouais, ben c'est vrai. Bon, ouais, voilà. Tu vois? Mais c'était ton passé. Alléluia. Notre passé est enterré. C'est fini là-bas, là, c'est fini. Même si tu as des défauts, on n'est pas parfait. C'est le passé là-bas, là. Ton passé, il est crucifié là-bas, là. Nous sommes morts en Yeshua. Alléluia. Donc, n'oublie jamais cela. C'est le passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Qui veut son baptême? Qui m'a baptisé? Qui m'a baptisé? Qui m'a baptisé? Baptisé? Qui m'a baptisé? Lui, toi derrière. Moi? Oui. Ouais. Ah, pas encore, mais. Ah, en fait. Je me suis fait baptiser, je suis sûr. Ouais. Je me suis fait baptiser au pays en tant qu'orthodoxe. Ouais. Mais le gars qui m'a baptisé, c'était un escroc. Mais mon cœur était sincère à ce moment-là. Donc maintenant, je rapprends à avoir confiance en l'homme avant de me faire baptiser. Par n'importe qui. Bon. Alors l'homme t'a blessé, hein. T'étais blessé. Non, tu rigoles, t'es comme ça. Ouais, t'étais blessé. C'est vrai. Ok. Bon. Tu es libre, t'inquiète pas. C'était sa femme? Non. Comment t'arrives ensemble, c'est pour ça? Oh, on se connaît très très bien. Hein? On se connaît très très bien. Ok, d'accord. Alors, plusieurs années à l'essayer de traîner. Ah, ok. De quelle origine? Serbe. Ok, serbe. Waouh. Et tu peux, ça fait longtemps? Comment? Ça fait longtemps que tu pries? Ouais. Combien de temps? Je priais Dieu que quand j'étais dans la merde, il le savait alors le nécessaire. Comment? Je priais Dieu que quand j'étais dans les problèmes, ouais. Il le savait alors le nécessaire. Ouais. Mais j'ai appris à prier pour moi-même, pour les gens. Wow. Pour apporter du bonheur, du bien, pas le mal que je faisais à l'époque. Amen. Waouh. Terrible ça. C'est ton jour comme l'auteur, je crois. C'est bien, bien, bien. Viens, 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 qu'est-ce qu'on a maintenant? Nicolas. Hein? Nicolas, non, toi là, c'est rare les jours comme ça là, faut pas rater des moments comme ça là. Le Seigneur là, s'il permet que tu sois là, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie là. T'as quel âge, Nicolas? 36. Waouh, il joue pas encore. Tu peux prier pour lui? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Dans ta vie à toi. Moi, il m'a envoyé boutique. Non, je dis ça. Amen. J'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Ouais. Énormément de mal. J'ai blessé des gens, j'ai envoyé des gens à l'hôpital, j'ai tiré sur les gens.
J'ai fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais une chose que j'ai demandé au Seigneur, c'est si tu m'apportes une fille bien, je changerai. J'ai prié les 5 fois, les 5 fois. Non. Donc j'ai prié et m'a mis de tir dans ma vie. Malheureusement, j'ai pas vu que c'était elle qui m'a envoyé. Donc moi j'ai continué à me comporter comme je me comportais avant. J'ai blessé, écrasé et de plus. On a fait chacun notre chemin de notre côté. Mais avec le recul, j'ai vu qu'en fin de compte, il m'avait envoyé. Et je me suis dit, mais en fin de compte, c'est moi qui n'ai pas vu. Parce que j'ai pas écouté, j'ai pas ouvert mes yeux. Moi, mes yeux, j'étais encore fermé. Donc après, j'ai commencé à prier. Prier pour enlever sa tristesse. Prier pour les gens qui souffrent. Mais je priais jamais pour moi. Et il n'y a que récemment que je commence à prier pour moi. Ouais, mais j'ai jamais prié pour moi de base. Même à l'époque, elle me disait, mais pourquoi tu peux pas pour toi? Je disais, je peux faire prier pour les autres. Prier pour moi. Parce que moi, je suis récupérable. Et après, j'ai fait un rêve en 2 étapes. J'ai dormi. J'ai aidé un SDF dans mon rêve. Un SDF, il demandait de l'argent. Je lui ai donné, je suis repassé quelques temps plus tard. Il m'a redemandé. Je lui ai redonné encore. Bah, inconsciemment, j'avais des pièces, donc je faisais tout. Et des fois, je me disais dans mon rêve, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je fais, bah, je suis comme ça, c'est très bien. Il m'a fait, ouais, mais ça te fait un bras. Je me suis réveillé, j'ai fait ma journée, j'en ai pas parlé. Et le lendemain, donc le soir suivant, je dors. Et cette fois-ci, je me réveille, je suis tout en blanc. Mais vraiment en blanc, tout en blanc. Et il y a plein de tentes. Et je reconnais le SDF d'hier. Et je lui dis, mais t'es pas dans mon rêve d'hier? Non mais vous rigolez, mais c'est moi. Là j'ai des frissons, vous ne le voyez pas, mais là j'ai des frissons. Et là je lui dis, mais t'es pas le SDF de mon rêve. Il me dit, mais si, c'est moi. J'ai fait, mais tu t'appelles comment? Il m'a dit, certains m'appellent Paul, d'autres m'appellent Jean. J'ai plusieurs noms. Mais il était blanc. Et moi aussi, j'étais en soutane blanche, mais ça brillait. Et là, il me dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Je lui dis, comment ça? Après, je lui dis, mais qui veut me parler? Il m'a fait, ne t'inquiète pas, suis-moi, on avance, on marche, mais on ne parle pas. Mais je suis en blanc, je me dis, mais qu'est-ce que je prends comme ça, moi? Je suis endormi comme ça. Donc après, j'arrive devant une tente, et là, la tente, elle s'ouvre, oui, une lumière blanche. Elle vient, je suis, oui, mais je ne vois pas. Et là, il y a une voix qui me dit, il n'est jamais trop tard. Ça, je ne sais pas.